La gorgone qui s'est empêtrée dans ses cheveux. Bienvenue à toutes et à tous au SMC. Alors le SMC 2019, c'est un avant-goût du Mondial 2020 qui aura lieu le 3, 4 et 5 juillet 2020. Pour ceux qui n'ont pas encore réservé leur hôtel, eh bien sur place, je crois que c'est un petit peu trop tard, mais il y a encore plein de places autour. C'est l'événement à ne pas rater, c'est bien le Mondial 2020. Alors, quand on voit l'espace que l'on a, on se demande ce qu'ils vont faire encore en plus pour le Mondial. Ceci dit, pour le découvrir, il va falloir venir. Vous allez également découvrir que la grande queue de serpent qui faisait office d'accueil il y a quelques années a complètement disparu. Les ordinateurs sont en place, on sent que l'équipe est devenue rodée depuis toutes ces années pour préparer le Mondial. Et donc cette année, on a vraiment, vraiment un avant-goût. Alors, vous allez le voir, l'espace est grand, on a un nombre de pièces présentes qui a également grimpé. Et comme d'habitude, on vous a préparé une belle galerie et quelques nouveautés que l'on a glanées sur tous les stands. Alors, bonne visite au SMC et rendez-vous en 2020 pour le Mondial. Hi, Figurine TV, it's in the house. Non mais je vais y arriver. Hein. C'est lui qui a choisi le gorgone. En même temps, c'est pour ça que Marc, il le monte jamais, parce qu'il sait pas le monter. Si on voit pas le temps passer quand on filme la qualité quand même. Et reviens samedi, ce sera plus intéressant.
Alors, tuto bricolage. Montez une étagère rapidement. Alors, vous prenez un tournevis électronique, comme ça, avec de la lumière au bout, des fois, qui fasse noir, bon. Et voilà, vous tournez comme ça, je vous montre un peu, voilà. Coucou mon lutin! Oui, bonjour à tout le monde. C'est un plaisir de vous d'être en contact avec vous sur Figurine TV. On est ici à Scale Model Challenge de Eindhoven et on est à côté du stand de Ligue, que c'est un nouvel projet qu'on a réalisé entre quatre producteurs, que c'est Chimera, Aradia, Nocturna et Michael Contraros. On a réalisé un projet de buste féminin de quatre éléments: le feu, l'eau, l'air et la terre. Donc c'était pour nous très important de commencer ce projet pour améliorer la collaboration entre différents producteurs, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que les producteurs et les producteurs sont toujours en guerre entre eux, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai et j'espère que ce projet va vous montrer qu'il est possible de faire de belles pièces avec collaboration entre plusieurs talents artistiques. Maintenant, on a commencé avant pas beaucoup d'organisation. Donc, à l'instant, les quatre éléments, on peut trouver dans chaque producteur son élément. Donc, pour les gens qui voulaient l'acheter, ils doivent acheter chaque élément dans chaque producteur. Mais ça, c'est seulement le début. Donc, on pense que dans le futur, on va trouver une manière de s'organiser pour rendre un meilleur service aux maquettistes ils vont avoir la possibilité d'acheter toutes les pièces ensemble avec seulement une spédition et avec des bonnes offertes de discount. Ça, c'est le premier pas. Mais c'était très intéressant, même du côté artistique. Parce que quand tu habitué à travailler tout seul, tu as tes idées, tu as ta manière de travailler. Donc, quand tu commences à collaborer avec des autres, tu vas découvrir des autres possibilités, des autres idées, et mettant tout ensemble, les choses vont être plus d'autres niveaux. Donc ça, c'est notre espérance. L'expérience de tous les quatre ensemble, pour nous, va être très importante pour faire des choses de plus en plus plus belles. C'est notre espérance. Merci Pietro. Merci à vous pour l'attention. Salut. Et surtout, je vous invite à venir vous abonner à la chaîne YouTube de Figurine TV. C'est pas difficile, c'est dans le petit coin. Il suffit d'aller s'inscrire pour atteindre les 10 000 abonnés dans très peu de temps. Et puis, pour ceux qui souhaitent soutenir financièrement par 5 euros, 10 euros, 100, 10 000, 100 000 Figurine TV, eh bien, n'hésitez pas. Le lien PayPal que vous trouvez sur le site figurinetv.com ou alors directement sur le lien qui s'inscrit à l'image. Merci à vous tous pour votre soutien et je remercie d'ores et déjà les 12 personnes qui ont versé une petite obole cette année 2019 pour soutenir le site. Alors rejoignez-les et que cette communauté continue à vivre
une passion à tous commune, la figurine et la maquette. Merci d'avance à ceux qui viendront nous rejoindre. Ouais, j'ai pas vu le week-end passer en tout cas, c'était bien.
Thank you.
aimez, c'est moi qui l'ai fait.